Coucou, bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui durant ce long semaine de week-end pour certains, d'autres toujours au travail, force à eux si c'est le cas. On va jeter un coup d'œil à la version 67. Il y a eu des petites notes de mise à jour qui ont été mises sur le site il y a quelques jours. On va y jeter un petit coup d'œil. Alors, c'est à partir du 6000, du coup non, ça fait déjà quelques jours, bah, du coup 4, que ça a dû se déployer. Alors, là, il commence en reparlant de certains événements dont on a déjà vu dans le calendrier. Donc, il parle bel et bien du retour au sanctuaire, donc, notamment avec la nouvelle famille des gargoyles, avec certains nouveaux passifs, notamment avec trois nouveaux légendaires, un épique et un rare. Le passif, il a été amélioré. Il s'applique également aux héros existants, Potif et Garten. Je crois que c'est les gargouilles, mais les gargouilles qui sont immunisés à réduction de mana avec leur passif, c'est ceux qui sont verts, ceux qui sont là des buissons. Donc, je pense qu'ils font référence à eux, donc pourquoi pas. Ce nouvel événement challenge comprend la propriété de niveau et des ennemis rares. Ok, donc vraiment comme un événement défi classique. L'île aux monstres, du coup, fin mai, possède désormais sa propre invocation et comprend des héros d'événements suivantes: chasseurs de jungle, des plaines et des abysses. L'invocation Monster Island comprend également un coffre bonus. Ok, donc ils ont amélioré le portail d'invocation. Événement saisonnier, Beach Party, donc la fête à la plage. Et de retour, l'invocation comprend du coup la fête à la plage et les héros de l'Empire de Sable, propose désormais également le bonus Perfecten. Ok, donc ça c'est des trucs choses qui sont sorties il n'y a pas si longtemps. Ligue des héros, ouverture d'inscription le 17 juin. Oh purée, rebelote. Si ça va être aussi fréquent, je ne sais pas si je vais tenir la cadence, parce que là ça fait quand même un peu intense. À partir de maintenant, chaque ligue sera accompagnée d'une invocation contenant des héros de famille vedettes de cette ligue. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut créer des portails sympas. Après, s'il n'y a pas d'invocation possible, il faut mettre que des gemmes, on met une croix, mais qui sait, même pour les invocations c'est quoi le nom invocation, pas de pacte invocation enfin, ils ont déjà sorti un portail régulièrement où il y a des rôles à une soi-disant plus facile à avoir, où il n'y a que des gemmes, mais on peut faire une évocation gratuite avec une pub, donc à la rigueur, ça peut être sympa. Maître Talent, what the fetch, activé le 13 mai. Oh, attends 2 secondes, Maître Talent. Ajout de 5 nouveaux nœuds de talent pour chaque classe. Donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 25. Les nouveaux nœuds nécessitent des emblèmes de classe de maître pour être déverrouillés. Me dis pas que c'est le même délire que les éthers, mais avec les emblèmes. Le 25e nœud débloque le Master Talent. Pour l'héros classique, le Master Talent supérieur. C'est une blague. Nouveau effet amélioration pour tous les talents de classe existants. Réduction des coûts d'emblèmes sur un anneau de talent existant pour les héros 5 étoiles. Ceux qui de 50 passent à 125, 125 à 80. Tu es en train de me dire que depuis des années, on est en train de se faire bip et que du coup, c'est maintenant que vous allez drastiquement baisser le machin? Non, mais c'est une blague. Comme pour les emblèmes dorés, les emblèmes de classe de maître ne seront pas rendus lorsque la grille de talent sera réinitialisée. Ok, donc tout le monde peut aller jusqu'au 20. À partir du 20 au 25, il faut l'équivalent d'éther d'emblème, pour le dire de cette façon. Et du coup, ça débloque le Master Talent. Et moi, ce qui me fait peur, mais vraiment très très peur, c'est les saisons 1. Déjà qu'avec le passif du Toon et leur super talent, ils sont relous. Mais là, du coup, ils vont avoir des super méga talents avec en plus leur passif de Toon. Ça va devenir des héros incroyables. Alors, première fois le 17 mai. Ah, donc c'est lundi, ça. Non, pas lundi, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, on est le 10. Bah là, vendredi prochain, ça commence. Alors, une toute nouvelle quête hebdomadaire récurrente. Seules les équipes d'une seule classe sont autorisées dans chaque épreuve.
Ouh, alors ça par contre ça va être chaud. Enfin d'une seule classe, du coup ça peut être plusieurs éléments, donc ça laisse un peu de marge. Mais chaud quand même. Combattez le maître de chaque classe pour gagner des emblèmes de classe et des emblèmes de classe maître. Ok, bon, au moins chaque semaine, il y aura une quête hebdomadaire pour avoir des maîtres des classes, des emblèmes de classe maître, en gros des éthers emblèmes. Chaque semaine. Rappelle-moi combien il y a une classe sur Empire M Puzzle. Voilà, liste vite fait. Parce que si on peut avoir droit qu'à une seule classe dans la quête, logiquement, on peut avoir qu'un seul type d'emblème. Ce qui semble logique. Liste des classes, sachant que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 classes. Ouais, c'est chaud. Ça veut dire que concrètement, par exemple, si la semaine prochaine, on a la classe barbare. On est mi-mai, il faudra attendre fin juillet avant les prochains, donc ça va quand même être pas très récurrent. Ça veut dire que chaque année, il y en aura 4 de chaque, et certains chanceux en auront 5. Donc c'est pas des masses sur une année complète. Donc à voir si en une quête il y en a assez pour aller jusqu'au 25, ça peut le faire, ça va. J'en doute, mais on sait jamais. Si par contre avec une seule quête on a assez pour passer du 20 au 21, ça veut dire qu'il faudrait plus d'un an pour aller jusqu'au 25. Mais bon, c'est que des spéculations. Pour l'instant, on va attendre que ça sorte bien. Et là, on va vraiment faire les calculs. Là, c'est que les spéculations, donc inutile de trop s'attarder. Mais en tout cas, j'ai le seum, parce que du coup, ça va encore creuser plus le gouffre entre les free-to-play et les pay-to-win, qui est déjà assez colossal et conséquent. Mais bon, on verra bien. Amélioration. Les offres sont maintenant disponibles dans l'onglet en vedette de la boutique. Ça, c'est vrai, je l'ai remarqué il n'y a pas si longtemps. Mais question du libellé de la compétence spéciale de Fleur de Lune. Amélioration de la conversion des troupes légendaires. Si une troupe épique affectée et une équipe est convertie, elle sera remplacée par une troupe disponible qui correspond le mieux aux exigences de rareté. Ok, ça marche. Ajustement de l'icône d'effet de statut. Blabla. Ajout d'une boîte d'information pour les effets de dissipation des de sécurité qui ignorent nanana, les événements avec des exigences rareté. Disponible légendaire héros légendaire, correctif d'un problème qui entraînait la duplication des créatures du héros event, correction du texte, dupliquer des sources de jetons, affichage de la pursuite d'invocation, problème où une troupe épique ne pouvait pas le convertir en troupe légendaire pendant les nanananana, rétribuer des erreurs correctement une plusieurs infections, correction d'un problème ou les défis d'événements qui se déchevauchaient parfois des défis quotidiens. Ok, correction d'un problème avec les monstres apex de Monster Arena laissant tomber plusieurs clés s'ils étaient vaincus par plusieurs joueurs en même temps. Bon, ça c'était bien. Il fallait pas le corriger, ça. Ok, ça marche. Bon, correctif, une amélioration assez. C'est normal. Ben, la grosse news, c'est les méga talents. Franchement, on attendra. Bah, ça a commencé à activer le 13. Du coup, à partir du 13, on pourra, du coup, je suppose qu'ils vont sortir les premières offres. On pourra voir combien il en faut, etc., etc., et combien ça va coûter concrètement. Ouais. 13 000, on verra. C'est surtout le 17, on va vraiment être fixé. Pour savoir vraiment à quel point ça va être rentable ou pas pour ceux qui ne comptent pas mettre dessous. Après, si ça marche vraiment comme des éthers, c'est-à-dire que quand on fait passer de 80 à 85 et de 80 à 90, il n'y a que des éthers, tu mets aucune ressource. Alors bien sûr, quand tu augmentes de niveau, bah là du coup tu mets du fer et de la nourriture. Mais en soi, pour débloquer l'accès, tu as juste à mettre les éthers. Donc à voir si du coup les maîtres emblèmes, il n'y aura que besoin de maîtres emblèmes pour aller jusqu'au niveau 85. Ou alors, si du coup, il faudra mettre des maîtres emblèmes avec en plus des emblèmes pour aller jusqu'au niveau 25. Si c'est le cas, et bien c'est à côté. Pompon.
Mais bon, ils ont réduit le prix de certains. Je suppose que c'est en vue que pour aller jusqu'au niveau 25, ça va coûter des emblèmes. Je suppose que c'est dans cette optique. Mais bon, ça reste des spéculations. On verra le 13 mai pour un premier jet et surtout le 17, ça pourra vraiment fixer. On verra à quel point c'est rentable ou pas. Et mes aïeux. Bon, ben en tout cas, très vite. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ces maîtres talents. Et ciao, ciao!